Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on poursuit notre série sur les palettes astrologiques de Shein. Shiglam, quoi. Donc là, c'est la Lively Léo, qui veut dire animé. Oui, c'est ce qu'il dit sur Google Translate. Je ne sais pas si c'est vraiment la traduction à prendre au pied de la lettre, mais voilà, bon, c'est ce qu'ils disent. Et je dois vous avouer que celle-ci me transporte assez bien, et j'ai surtout, on va tester les trois teintes ici, ça c'est sûr, et les paillettes, ça c'est sûr, parce que il n'y en a pas dans toutes les palettes, et c'est vraiment des super, super, super paillettes, il y a plusieurs tailles, plusieurs effets, elles sont super fines, franchement, j'ai beaucoup aimé la Virgo, voilà. Donc, comme c'est le lion, je me suis fait une crinière bouclette. Voilà. Et j'ai mis de la fourrure. La fausse, hein, bien sûr. C'est de la laine angora, on va dire. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on attaque. Donc je pense qu'on va partir sur un genre d'éventail en commençant de la teinte la plus foncée ici et en remontant. On va commencer comme ça et on verra où ce qu'on arrive après. Hein, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc je prends un pinceau boule et je vais commencer par mon coin externe avec la teinte rouleur. Rouleur à la franglaise. Et c'est vraiment la teinte qui me plaît le plus dans la palette. Donc je mets ça en coin externe, en ras-de-cils externe, et bien sûr je vais commencer à estomper doucement sur la paupière et les bords avec le même pinceau. Et j'adore cette couleur. C'est un bordeaux un peu brique. J'adore. J'aurais dû prendre un pinceau plat, mais bon, hein, écoutez, on va pas me demander de réfléchir. Il est tôt, j'ai pas beaucoup dormi. Donc on y va à l'arrache. En tout cas, la teinte, j'adore. Et il se travaille aussi super bien, il est bien pigmenté, rien à dire. Question qualité, j'ai rien à vous dire de plus à chaque palette. On m'a dit que apparemment c'était possible que la qualité soit pas égale dans toutes les palettes, mais jusqu'à maintenant j'ai rien à dire question qualité. Ok, ensuite je vais passer à un pinceau plat et je vais prendre la teinte juste au-dessus qui est Courage. Donc là on part plus sur un rouille. Magnifique. Oh, il est poussé aussi. J'adore. Donc je mets ça à la suite et je commence à dégrader partout. Le bord quoi. Ouais, vous voyez, vos pinceaux plats sont vachement plus pigmentés. Hein. Je vais prendre l'autre côté et reprendre la première teinte pour intensifier vos pinceaux plats. Et j'en profite pour dégrader les deux teintes entre elles. J'essuie mon pinceau et je reprends la seconde teinte pour continuer mon racine. Et avec le tout premier pinceau, ben, je vais redégrader tout. Donc je fais le bord ici. À chaque fois que je filme, il y a le petit chien qui se met à gueuler. Finir en kebabure. Alors, je vais prendre un pinceau estompeur, enfin peintre, et je vais prendre la teinte Playful, qui est jaune, un peu coquille d'œuf comme ça, pour dégrader tout le tour.
Je fais mon creux aussi. Je voulais mettre le orange ici à la suite et finir avec le jaune. Mais ça risque de faire un peu trop similaire. Donc je vais commencer avec le jaune moutarde, ici en dessous, qui est le magnétique, que je mets à la suite sur ma paupière mobile. Il est un peu plus sec celui-ci. Bien sûr, on dégrade dans la deuxième teinte. On fait une racine. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé, le Playful, pour dégrader mon creux. J'aurais pas une petite tachounette juste ici. On va essayer de rectifier ça avec le pinceau plein. Oui, j'avais bien une petite tachounette. Alors, je prends un petit pinceau précision et je reprends le Playful. Non, pas du tout, c'est pas du tout ce que je vais faire. Je prends le Sunlove qui est juste en dessous, le jaune pétant, pour mon coin interne. Je garde le même pinceau et du coup, je prends un petit peu de paillettes qui sont les Center Stash. Ouais, c'est comme ça, c'est beau. Que je remets par-dessus le jaune. Oh, c'est paillette. Non, mais c'est paillette. Et j'en mets sur ma partie interne. Là où j'ai mis du jaune, en fait. Et sur la transition. Je vais peut-être y aller au doigt. Je vais prendre le petit. Non, mais ça va faire des morceaux, ça. Elles sont tellement belles ces paillettes. J'ai une petite chute à cette paillette. Oh, c'est bon, je crois qu'elle est partie. Bah écoutez, voilà pour les fards. Il n'y a que les deux là qu'on n'a pas utilisé. Donc ça va, c'est une bonne moyenne. Je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure, thread liner. Je vais mettre du crayon marron en muqueuse, eyeliner. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre sur les lèvres. Je vous dirai après. Je fais tout ça. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et on parle de la palette juste après. Donc voilà le look final avec cette palette. Alors en muqueuse j'ai mis le stag des 24-7 de Urban Decay. Et sur les lèvres j'ai mis le mini pit qui est la teinte brioche que c'est un que j'essaye de terminer. Et voilà. Donc c'est pas très très simple d'aller droit avec un embout parce que c'est un rouge à lèvres plat. C'est très chiant. Très 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 chiant. Voilà. Après j'aime beaucoup la teinte. Il est mat. Bref, alors la palette, oh, j'aime beaucoup, 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 c'est totalement mes teintes, quand c'est pas du vert, mais c'est totalement mes teintes, il y a du bordeaux, du rouille, du jaune moutarde, voilà, vous savez que moi, le kaki, le bordeaux, le jaune moutarde, le bleu canard, c'est vraiment mes teintes, le gris aussi, mais voilà, et les paillettes, elles sont canon, mais vraiment canon. On les sent pas, elles sont super fines, pourtant il y a plusieurs tailles dedans. Elles ont des reflets de malade, elles tiennent bien. L'agent liant qui est dedans n'est pas trop collant, il ne fait pas bouger le fard en dessous. Et voilà, les teintes, comme pour toutes les autres, se dégradent très bien. Elles sont bien pigmentées. Question qualité, franchement, j'ai plus rien à vous dire. Je pense que je vous dirai juste si ça change, mais
Je ne sais plus quoi vous dire à propos de ces palettes. Franchement, je suis hyper, hyper contente de toutes celles que j'ai testées jusqu'à maintenant. Et je suis bien contente d'avoir pris toute la collection. Et j'espère qu'ils sortiront d'autres thèmes dans ce genre de collection comme ça, limitée. Vous voyez, pas que ce soit une collection tirée pendant 25 palettes, mais limitée à quelques-unes, quoi. Voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup ces palettes. Demain, on attaque avec la Balance, donc là Libra, c'est Jésus. Alors je fais les swatchs avec vous en vidéo puisque j'ai fait une boulette. Hein, j'ai supprimé les rushs. Le rush de ces swatchs-là. Donc là les teintes, on repart dans une palette pas très cohérente, hein, avec des couleurs complémentaires. Mais ce vert lumineux là m'intrigue énormément. On va voir. Je ne sais pas encore comment est-ce qu'on va jongler avec ça, mais on va y arriver. Je pense qu'on partira dans les violets verts. On va voir. Bref. Donc ça sera pour demain. Ensuite, il y aura le weekly vlog et on continuera à partir de lundi. Et pour la dernière vidéo, n'oubliez pas qu'il y a une petite surprise pour vous. Donc, en attendant demain. De toute façon, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De me dire en commentaire si vous allez acheter cette palette pas ou pas, la Lion. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Et en attendant demain, du coup, moi je vous dis bisous bisous.